voor u is het dan meer echt over, dit voel jij, zo voel jij je tegenover nee, Moetsepo. Nee, 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 nee. Ah, nee, toch niet. Nee, ik zei gewoon dat als je 3 jaar met een verhaal en een personage leeft, dan is die voor een cineast gewoon echt. Ah, ja. En het is moeilijk als Evelien zegt dat het niet daar is. J'ai envie de rebondir sur plein de choses, des questions que j'avais déjà préparées aussi, et peut-être d'abord la follow-up directement. Est-ce que Alice, à la fin du film, elle fait le choix de partir, mais est-ce que fondamentalement, elle aurait pu rester? Moeilijke vraag, hè? Maar ik denk. Persoonlijk? Maar een andere vraag, waarom de keuze om ze toch weg te laten? Pourquoi, malgré tout, elle fait le choix de la faire partir? Parce que on a amené le personnage, au niveau du scénario, à un point où elle peut vraiment partir dans les deux sens. En tout cas, en tant que spectateur, c'est comme ça qu'on l'éprouve. Moi, c'est comme ça que j'ai éprouvé. Elle peut partir dans les deux sens. Alors, là, il y a un moment, j'avais l'impression, là, c'est la vie de la réalisatrice qui dit. Non, elle doit partir. Mais c'est moi qui fais. Non, c'est elle qui a décidé. Okay. Pour moi. Ok. Non, mais je veux dire, voor mij is de beslissing om uiteindelijk toch weg te gaan, ironisch genoeg, de meest moederlijke en verantwoordelijke keuze die zij ooit heeft gemaakt. Omdat zij op dat moment gewoon de verantwoordelijkheid opneemt om voor zichzelf te zeggen van kijk, dit kind verdient op dit moment beter dan ikzelf, of ik ben hier nog niet klaar voor. En of dat ze dan terug elkaar gaan ontmoeten, dat wil ik liever in het midden laten. Maar ik vind dat de enige juiste en beste beslissing die zij op dat moment kon nemen. Persoonlijk. Ook al lijkt het paradoxaal op een bepaalde manier natuurlijk. Hmm. Dus, donc plutôt enchaîner. Donc pour Nathalie, en fait, c'est le choix le plus mature à faire pour le personnage d'Evelyne, c'est de partir parce qu'elle ne peut pas s'imposer en tant que mauvaise mère finalement à sa fille. C'est ça? À son fils. Oui, pardon. Ça parle d'un petit. Oui, d'un petit garçon. Oui. Garçon, oui. Un petit garçon. Robin, il s'appelle Robin. Ah oui. Je vois Robin. Écoutez, avec Batman. Oui. je pense que c'est important aussi de laisser les gens qui sont tout plein d'un film vivre la suite comme ils l'entendent. Mais pour moi, il y a quelque chose de très lumineux à la fin du film. C'est-à-dire que cette personne qui a bloqué les engrenages de l'intimité pour se protéger, malgré elle, les engrenages ont recommencé à tourner. Donc, c'est pas une fairy tale story, hein. C'est pas tout à coup mes engrenages sont bien huilés et je redeviens la mère que je devrais être. Mais il y a quelque chose qui s'est réchauffé et puis il y a un écho hein, avec la scène finale que Nathalie a tournée, qui est un écho de la scène où ils sont couchés. Qu'est-ce qu'on voit quand on meurt, le plafond? Peut-être que quand elle regarde le plafond, c'est une sorte de petite mort qui permet de renaître à la fin du film. En ce sens-là, pour moi, c'est lumineux. Ok, oui, c'est super intéressant tout ça. En tout cas, le film permet de se poser quand même pas mal de questions. Peut-être sur une note plus légère, il y a quand même pas mal d'humour qui vient du décalage, évidemment, avec l'enfant. Est-ce que c'était nécessaire quand même d'avoir suffisamment d'humour dans le film? Was het was veel humor met het kind? Was het noodzakelijk voor jou om toch wel humor in je film te steken? Voor een vrij... Gewoon noodzakelijk, dat is iets dat heel natuurlijk komt vanuit het schrijven van jouw karakter. Ik denk dat heel veel humor in de film ook ontstaat vanuit een soort van miscommunicatie of het niet proberen begrijpen en het ongemak dat daarmee gepaard gaat. Waardoor dat humor bij mensen altijd een copingmechanisme is of een tool om de dingen terug even in balans te gaan herstellen op een of andere manier. Dat zijn dan, ja. Ik heb niet bepaald echt zoiets gehad van oké, ik moet hier nog een beetje humor in steken, want het wordt een beetje donker. Dat zijn, ja, daar ben je niet op zo'n heel bewuste manier mee bezig als je schrijft. Oké, goed. Alors, au niveau de la réalisation, j'ai une question assez précise. C'est qu'on a un personnage qui se bloque de toute émotion, d'accord, qui est très distante par rapport à tout ce qu'elle vit, et pourtant la caméra, elle est collée au personnage. On est toujours en plan poitrine, voire en gros plan, rarement en plan large, et jamais en très gros plan. Est-ce que c'était un choix vraiment conscient,
Ou est-ce que c'est ta manière de réaliser naturelle, organique, et ça s'est fait comme ça? Dat is een heel bewuste keuze geweest in die zin, of waar het echt uit vanuit vertrokken is dat we een heel stabiele cameravoering wouden in het begin van de film, waarbij Alice echt in haar hermetische cocon zich begeeft in haar leven, die steeds meer, een camera die steeds meer losser wordt en iets meer vanuit de pols begint te filmen op het moment dat alles rond haar begint open te breken. En in die zin was de keuze om heel dicht bij haar te blijven ook heel bewust genomen, omdat ik hou van personages waarvan dat je niet meteen houdt, die je moet leren kennen zoals je mensen leert kennen in het echte leven. Je moet gewoon die kleine kwetsbaarheden gaan opzoeken en ik vond het de juiste manier om haar te kunnen mogen observeren in alle kleine gedragingen, in alle herhalingen die slopen in haar klein gedrag, om dan juist heel dicht bij haar te kunnen zijn als die kleine mutaties plaatsvinden en een getuige daarvan te zijn. Donc, finalement, de la réalisation, elle restait près de ses personnages. C'était un choix vraiment conscient. Parce que ce qu'elle aime bien, c'est justement les petites choses qui cassent et qui changent dans un personnage. Et donc, en restant proche comme ça de ces personnages du film, eh bien, elle arrive à déceler ces petites mutations, ces petits changements qui fait qu'on peut voir un beau changement à l'écran. Alors, Evelyne, tu as décidé de visiter ou de tourner dans notre belle ville de Bruxelles en plein milieu d'un attentat. Welcome to Belgium. Et donc, en plein lockdown, vous avez dû tourner des scènes. Alors, est-ce que ça a compliqué le tournage d'une manière ou d'une autre, ou est-ce que vous l'avez incorporé, ou comment ça s'est passé? J'ai une anecdote particulière. Je crois qu'il y a plusieurs personnes du film qui sont dans la salle qui s'en souviendront. Il y avait, je parle en québécois, ok? Il y avait cette journée où le lockdown avait été déclaré, puis il y avait la rue Neuve où on tournait, qui était bloquée par le gouvernement, on ne devait pas y aller, techniquement. Et puis Nathalie, tout le monde me disait ce qu'on tourne. Puis je me rappelle, je dis, mais si la maman de Zuri accepte, moi j'accepte. La maman de Zuri a accepté, donc formidable, on y va. Et il y avait Finn, qui est la troisième assistante, qui est dans la rue. Et à côté d'un policier avec une grande mitraillette, un immense policier, imaginez le 6 pieds 4 avec la mitraillette. Et Finn, avec son manteau, qui dit « Ok, let's prepare for shooting !» Et là, il y avait un gros mec à mitraillette qui tressaille, et là, tout le monde tressaille. Donc, il y avait une lourdeur, il y avait évidemment une inquiétude, il y avait cette tension, mais à travers tout ça, la joie du cinéma et l'humour du réel a transparu. Donc, c'était cool. Alors, je pense qu'il est temps de prendre peut-être des questions du public. C'est une frage in the public. Peut-être qu'ils veulent prendre un verre aussi. Oui, je vais donner en haut.